Bien le bonjour les amis et bienvenue sur le live Twitch de Gauthier French Army. Comme tous les jeudis à 21h, on est là, on tisse ensemble, on va passer un moment chill. Et aujourd'hui on va faire une AMA avec un projet que ça fait longtemps que je veux vous présenter. C'est le projet Brick. Alors on va vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas les amis. Et justement aujourd'hui on est en compagnie, donc comme d'habitude, de Gauthier Fermi et de Solness, qui justement est le fondateur de Brick. Bonsoir les amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Salut Moula, salut Solness. Bon, alors du coup, c'est quoi le programme de ce soir? Bah en fait, très simple. Alors déjà, je vais demander à Solness qui se présente un peu. Ensuite, on va présenter le projet Brick. Voilà, donc on va parler un peu là-dessus. Il y aura une démo. Voilà, on peut peut-être aussi parler un peu d'Avegochi pendant qu'on y est avec les dernières actus, comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent. Et enfin, on aura le petit quiz. Donc restez jusqu'à la fin parce que le quiz va être vachement sympa. Et bien sûr, comme d'habitude, écoutez très attentivement ce qu'on va dire pendant cet AMA, parce que peut-être qu'il y aura quelques réponses au quiz. Voilà, donc Solné, je te laisse te présenter et nous raconter un peu ta vie. Voilà. Salut à tous, moi c'est Solné, mon vrai prénom c'est Sylve, mais les gens pensent que c'est aussi un pseudo. Donc je suis le cofondateur de Brick, qui est le petit site web que vous voyez derrière. L'histoire, c'est que j'ai travaillé 3-4 ans chez Ledger, donc l'entreprise de hardware wallet en France, en tant que chef de produit. Et au bout de ça, je me suis dit, ok, j'ai un petit peu envie d'aller créer ma boîte. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai levé des fonds, je suis parti avec un de mes meilleurs amis, Lancelot. Et on a donc construit Brick. C'est donc un projet sur lequel on est depuis à peu près un an maintenant. Eh ben, nickel. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le projet Brick? Alors, c'est quoi comme genre de projet déjà? Brick, c'est venu de... je te raconte un petit peu l'histoire du projet pour donner un peu de contexte. Ouais, parfait. Brick, c'est un peu parti d'une réflexion qu'on avait depuis longtemps avec Lancelot sur, ok, en fait, c'est quoi les NFT? On s'est vachement creusé le chou. Moi, les NFT, ça fait très longtemps que je regarde. J'ai écrit mon mémoire de recherche dessus en 2017. Ça fait vraiment longtemps que je regarde le truc. Et je me dis, j'ai toujours demandé, en fait, c'est quoi un NFT? C'est quoi vraiment, au fond, un NFT? Et t'as plein de définitions. C'est la tokenisation d'un vrai truc du monde réel. T'as des mecs qui essaient de tokeniser des bouteilles de vin, par exemple. T'en as d'autres qui disent que c'est un copyright décentralisé. Ou, en fait, t'as plein de petites définitions à gauche, à droite, comme ça. Et à un moment, avec Lancelot, je sais pas, on a dû monter en haut d'une montagne et avoir une révélation un peu mystique. Et on s'est dit, en fait, la meilleure manière de comprendre ce que c'est qu'un NFT, c'est de te dire que c'est un objet physique. En fait, ça a toutes les propriétés d'un objet physique. Alors, tu peux le perdre, tu peux l'utiliser, tu peux le mettre dans ton salon, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec un niveau que tu n'as pas du tout avec des objets virtuels normaux. En fait, tu as une épée dans World of Warcraft, ton épée elle est coincée dans World of Warcraft. Et tu ne peux pas en faire autre chose que le rôle qui lui a été assigné. Alors qu'un objet dans le monde réel, tu peux faire après n'importe quoi. Si tu as un stylo, tu peux l'utiliser pour te curer le nez ou écrire avec. Et les NFT ont exactement les mêmes propriétés. On ne peut pas se curer avec un NFT, c'est dommage. Bientôt dans un métaverse pas très loin de chez vous. Donc une fois qu'on a eu ce petit truc en tête, c'est genre, putain, c'est marrant en fait, quand tu considères les NFT comme des objets physiques, en fait, ça devient beaucoup plus logique. Pourquoi est-ce que les gens achètent des NFT à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ressemblent à pas grand-chose? Ben, les gens achètent déjà de l'art contemporain qui ressemble à pas grand-chose pour la même valeur en fait. Il n'y a pas une différence entre les NFT et les objets normaux. Les mêmes choses s'appliquent. Et donc ça devient beaucoup plus logique. Tu regardes ce rare, en fait, pourquoi les gens jouent à ce rare? Ben, les gens ont toujours joué avec des cartes à collectionner. C'est la même logique. Les cartes Panini de l'époque. Quoi. Exactement. Donc c'est beaucoup plus logique, en fait, une fois qu'on a ça en tête. Donc là, on s'est demandé, ok, il y a cette espèce de problème, pas de problème forcément de promesse dans les NFT, qui est la composabilité. C'est-à-dire que tu as deux NFT et tu vas pouvoir faire des trucs avec les deux. Seulement, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est réalisé dans les faits. Aujourd'hui, tu as un Bored Ape et tu as un CryptoPunk, bah, tu ne peux pas faire grand-chose avec, à part les voir côte à côte dans ton portefeuille. Donc on s'est demandé, ok, si les NFT, c'est des objets, et qu'on veut qu'ils puissent être plus facilement composables, peut-être qu'au lieu de créer des standards de composabilité dans tous les sens, on devrait faire l'inverse. C'est-à-dire, poser la question de, est-ce qu'il y a un objet physique qui est très très composable? Donc là, vous ne pouvez pas le voir derrière moi, mais il y a un très très gros vaisseau de Lego. Et donc là, on s'est arrêté avec l'ensemble, on a fait, tiens, est-ce que quelqu'un a déjà été assez bête pour vouloir mettre des Lego dans la blockchain? Ouais. Et la réponse, c'est que non, parce que c'est assez compliqué à faire.
à construire. Mais Brick, en essence, c'est un jeu de construction dans la blockchain. C'est un protocole qui vous permet de créer des NFT, et tous ces NFT sont créés de petits blocs, qui s'appellent des briques. Donc ce que vous voyez là sur l'écran de CryptoMoula, c'est une fusée, c'est donc un NFT, qui est créé à partir de briques. Donc chaque petit bloc que vous voyez, chaque petit, qu'on appelle des voxels, des pixels en 3D, c'est fait à partir de briques. Donc là, il doit y avoir à peu près un bon millier de briques. Et donc si vous désassemblez ce NFT, ça va burner le NFT, vous allez récupérer les briques, et vous allez pouvoir créer quelque chose d'autre. On est parti de cette espèce d'idée un petit peu abstraite de les NFT sont des objets et il faut les rendre plus interopérables, à, ok, quelle est la meilleure manière de l'exprimer? Et la meilleure manière de l'exprimer, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, si on veut faire des NFT, il faut soit être développeur, soit artiste. Mais il n'y a rien entre les deux. Ouais, Et nous, ce qu'on exactement. s'est dit, c'est en fait, avec cette idée qu'on a eue, les gens ne savent pas forcément coder, les gens ne savent pas forcément utiliser Photoshop ou Figma. Par contre, tout le monde sait empiler des cubes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Brick, c'est un protocole qui vous aide à construire des objets dans la blockchain, principalement des NFT, de la façon la plus simple possible. Donc c'est très très simple. Hein. Vous allez sur l'interface, vous cliquez partout, vous construisez une maison, votre prénom, quoi que ce soit, et vous pouvez le minter avec des briques. De toute façon, après, on fera une petite démo. Bon, là, en fait, déjà, sur cette page-là, vous pouvez déjà construire des choses, sauf que vous n'avez pas de briques. Et après, bon, vous pouviez les minter. En fait, ça, c'est nous. Il faut juste savoir, juste pour remettre Solness un peu les gens qui sont sur le live avec le background, il faut savoir que ça, c'est la deuxième version de briques. En fait, avant, il y avait une autre version, une autre page web, qui d'ailleurs est toujours disponible, hein, où justement vous pouviez sur le testnet bah justement faire ça, minter, et justement, bon, après vous avez tous les NFT sur Aspect. Si vous connaissez, c'est un marketplace sur Starknet qui est aussi pour le moment sur testnet. Et là, bah, en fait, là, si vous voyez à l'écran directement les briques, bah, vous voyez, en fait, c'est comme ça, en fait. Ça, c'est l'ancienne version, c'est pas la nouvelle version, voilà. Donc voilà, Exactement. juste pour remettre un peu en contexte. Et aussi pour revenir sur ce que tu as dit, parce que je pense que c'est important que les gens se situent, cette idée de NFT et le fait que peut-être que tu peux nous dire comment ça se fait que tu connais aussi bien les NFT, parce que tu as fait quelque chose par rapport à ça, justement. Ouais, moi j'avais écrit mon mémoire, c'est à ça que tu fais référence, le fait que Exactement. j'ai. Oui. Ouais. J'ai écrit mon mémoire de recherche sur le sujet. Je m'intéressais à la blockchain depuis un bon moment. La blague en crypto, c'est un peu on arrive pour l'argent et on reste pour la révolution. J'aime bien me dire que j'ai fait l'opposé. Je suis rentré pour la révolution et je suis resté parce que j'ai monté une boîte en crypto. Donc je m'y suis intéressé depuis très longtemps. Et le NFT principalement, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais vraiment vu un changement de ce qu'on pourrait dire de nature. C'est-à-dire que jusqu'à là, jusqu'à ce que les NFT vraiment arrivent, qui est à peu près mi-2017. La seule utilité de la crypto, c'était ah, on va faire de la thune, c'était on est un peu avant la bulle des ICO. Et là, sortent les NFT. Et là, c'est un truc qui est vraiment très nouveau. C'est-à-dire qu'on va te dire, bah, tu vas acheter cette œuvre d'art, et cette œuvre d'art, elle est unique. Et là, dans ma tête, ça commençait à faire, attends, c'est quand même un petit peu bizarre. Et j'étais dans un master qui était spécialisé dans tout ce qui était le marché de l'art et de la création, et de la culture. Et un marché que j'avais découvert dans une exposition, c'était le marché de l'art vidéo. Je me rappelle très bien, c'était une expo à Paris. Et là, on voyait un écran numérique. 2017, les mecs étaient un peu en avance. Et on voyait en fait quelqu'un monter en haut d'un plongeoir et sauter du plongeoir. Et recommencer, remonter dans le plongeoir et ressauter. C'était une espèce de gif qui tournait en boucle. Et je me disais, ah, c'est super cool. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est, attends, mais comment j'achète ça? Et en fait, la réponse, c'est que bah, c'est très compliqué d'acheter de l'art vidéo ou de l'art qui est nativement non physique ou digital. Parce que vient le problème de, bah, de la rareté. Qu'est-ce qui est vraiment rare? Et dans le cas de l'art vidéo, en fait, les gens vendent souvent, les artistes vendent ce qu'on appelle des installations. C'est-à-dire qu'ils vont vendre un énorme écran cathodique avec une VHS pour s'assurer que voilà, tu as un élément physique, tangible, rare, et c'est beaucoup plus facile à faire passer comme œuvre d'art. Alors qu'essayer de vendre un MP4, c'est beaucoup plus difficile parce qu'immédiatement, il n'y a pas de notion de rareté. Et là, pour la première fois, avec les NFT, on s'est dit, ah ben en fait, on est capable de vendre des œuvres d'art digitales. Juste une petite question sur le NES pour ma curiosité personnelle. En quelle année tu l'as fait cette thèse? J'ai vraiment sorti en 2018. C'était une thèse de master. Donc c'est pas vraiment une thèse, c'est un Oh, truc c'est un quand même peu. c'est majeur.
C'est quand même assez ancien, on va dire. On va dire que les C'est assez NFT, le vieux. boom, vraiment, il s'est fait en 2000, 2020, donc ça avait un Exactement. peu de temps quand même. C'est vraiment vieux. Et la blague, c'est que j'avais interviewé l'équipe de CryptoKitty à Vancouver C'est en marrant. janvier. Ouais, c'était assez dingue. En janvier ou mars 2018, je me rappelle plus exactement. Donc juste après qu'ils aient fait exploser la Le L1, gaz, ouais. j'avais demandé, ah alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lever des fonds? Est-ce que vous allez faire un SEO? Ils font, ah, on a des options, on a des options. Effectivement, 48 heures après, ils avaient levé 12 millions de dollars avec Andreessen et Union Square Ventures. Donc je me suis dit, ok, ils avaient quand même vraiment des options. C'est franchement cool. Et alors, essayons d'aller un peu plus dans le détail, comme tu nous as dit. C'est quoi la particularité, surtout pour les gens qui connaissent peut-être Brick d'avant, la particularité de cette nouvelle release que vous êtes en train de faire? Parce que bon, en fait, on va dire que l'ancien Brick, pour les gens comme moi qui sont dans Brick depuis le début, c'est vrai que c'est vraiment l'interface pour créer un NFT à partir de briques. Mais là, c'est vrai que vous avez donné un pas en avant et j'aimerais que tu expliques un peu à la commu, c'est quoi le pas en avant que vous avez fait avec cette nouvelle version, parce que je trouve que c'est super cool. Voilà. Et je préfère te laisser expliquer parce que tu vas l'expliquer beaucoup, beaucoup mieux que moi. Voilà, je mets juste ça, vous allez comprendre de toute façon. Génial. Merci beaucoup. Pour répondre à ta question, j'explique un petit peu la genèse de Brick. Le premier bout de code et le premier moment où on est vraiment sorti en testnet, c'était à Ethereum Lisbonne il y a un an. Parce qu'on avait eu cette idée pour Brick avec Lancelot, on s'est vraiment dit, c'est vraiment sympa, faut vraiment qu'on le fasse. Et donc on s'est également dit du même coin, du même coup, en fait, si on veut vraiment le faire proprement, on aimerait vraiment mettre un maximum du système on-chain. Parce qu'on aurait pu clairement juste dire, la plupart des projets de NFT ou les projets de gaming ont très peu d'informations on-chain. Vous avez ce qu'on appelle des choses qui sont weekly on-chain. Par exemple, Sorare, vous avez uniquement les cartes qui sont on-chain, mais l'intégralité du jeu n'est pas du tout gérée par la blockchain. Ouais, Et à exact. l'inverse du tech, vous avez des jeux comme Dark Forest qui, eux, sont complètement sur la blockchain. Vous avez des garanties de sécurité, des garanties de composabilité qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Dans notre cas, on voulait vraiment que Brick. On dit de façon un petit peu pompeuse que c'est la brique du métavers, c'est un peu le bloc de construction du métavers. Si on veut vraiment faire ça, si on veut vraiment avoir de la composition, ça ne peut pas être quelque chose qui est uniquement stocké sur nos serveurs. Ça doit être quelque chose qui soit stocké sur la blockchain, qui soit composable sur la blockchain. Et vu qu'on avait cet objectif, c'est très vite rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était possible de construire sur Ethereum. Donc il allait falloir le construire sur une layer 2. Une layer 2, c'est un système qui bénéficie de la sécurité d'Ethereum, mais qui peut aller beaucoup plus vite. Vous pouvez l'imaginer comme à l'heure actuelle, les layers 1, c'est comme si tout était dans un gros 4x4 route, et les layers 2, c'est tout le monde va rentrer dans un bus, on va répartir le prix de l'essence. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre beaucoup plus de gens sur l'autoroute, on va pouvoir augmenter le trafic et diminuer le coût pour tout le monde. Parce que Donc d'ailleurs, ça, pour c'est mon coup. Ouais, vas-y. là-dessus, il y a deux types de layer 2 en fait que les gens confondent beaucoup parce qu'il y a ce qu'on appelle les vrais layer 2 et après il y a l'autre, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ah, Les je. cinquièmes. Pardon? La nomenclature, c'est souvent de parler de layer 2. Layer 2, c'est quelque chose, c'est une chaîne dont la sécurité dépend d'Ethereum, c'est-à-dire que tu Ah, peux layer 2 être et garant. sidechain, c'est ça que je voulais. C'est ça. Les Et. sidechains, par exemple, c'est Ronin. Ouais. Ronin, ou à l'heure actuelle, Polygon est une sidechain, parce que leur C'est ça. sécurité ne dépend pas d'Ethereum, ça Voilà. Et dépend en de fait, c'est leur ça, c'est réseau que de validation. beaucoup, beaucoup de fois, comme nous, on bouge beaucoup sur Polygon, on dit beaucoup que Polygon c'est un layer 2, mais non, c'est pas un layer 2, c'est une sidechain. Un layer 2, bah. Beaucoup pour devenir une layer 2. C'est ça. Donc, je suis absolument convaincu que la façon de faire grossir et d'augmenter la scale des blockchains, c'est les layers 2. Et ça ne me paraîtrait pas du tout absurde que d'ici 2 ans, plus personne fasse une transaction en layer 1. Tout se fasse sur les layers 2. Le prochain milliard d'utilisateurs utilisera des layers 2 pour débarquer directement. Faire une transaction en layer 1, ce serait un peu comme entendre la musique du modem de nos parents. C'est pas quelque chose que les prochains utilisateurs vont entendre. On va parler comme des vieux idiots de dire ah, moi j'avais payé 50 balles pour une transaction. Ce sera vraiment un truc du passé grâce au layer 2. Ouais. Donc, on Regardez, voulait vraiment y a construire une Brick sur les page, c'est layers. What the fuck Vas-y. fee, si vous Ah ouais, c'est ça, c'est fini. voulez. Et c'est vraiment ça qui nous a amené à dire qu'on voulait vraiment construire Brick sur une layer 2, parce qu'on avait vraiment fait un petit calcul. Et oui, à la grande époque, stocker 1 mégabit de données sur Ethereum, c'était n'importe où entre 60 000 et 600 000 dollars. C'était n'importe quoi.
Donc, c'est pas du tout quelque chose qui était viable pour nous. Donc, on a commencé à regarder les Layers 2. Je connaissais déjà Starknet de mes années de Ledger. Et à cette époque-là, c'était vraiment la Layer 2. Il y avait un testnet qui fonctionnait et en fait, je croyais vraiment beaucoup. On pourra faire une discussion plus approfondie sur Starknet par la suite. Mais donc, on a décidé de partir sur Starknet. Et donc, on a construit, à cette époque-ci, on devait être probablement la troisième application à sortir sur Starknet. On a construit Brick en 3 jours. Au hackathon de Ethereum Lisbonne. Donc, on n'a pas beaucoup dormi. Mais ça a très bien marché. On a commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'utilisation, même sur le testnet de Darknet. Donc, on est parti en mainnet en fin décembre. Et là, par contre, on a tout explosé. C'est-à-dire que, on a dû sortir en production le 26. Le 28, Uri, le CEO de Starkware, nous envoie un SMS en nous disant: écoutez, les gars, c'est génial. On voit beaucoup l'utilisation, c'est super. Par contre, on paie les transactions sur Ethereum et vous êtes en train de nous coûter 20 000 balles par jour. Ouais, donc en gros, Donc là, on a. vous êtes sorti sur Mainnet Ethereum en fin décembre, non? Sur Et Ethereum, Mainnet Ethereum, Starknet. à C'est-à-dire Starknet qu'on Ethereum, était ok. vraiment sécurisé par la Layer 1 Ethereum. Et alors là, on a tout fait exploser. Et Là. c'est Starknet qui vous a dit ça coûte trop cher toutes les transactions que vous nous générez, c'est ça? Exactement. Parce qu'à Ah, cette c'est dingue ça. époque-ci, Starkware, l'entreprise, subventionnait les coûts en L1. Tu vois, c'est le fameux coût, payer la facture d'essence pour tout le bus. Ouais. Et donc là, oui, je crois que ce que j'ai répondu à Uri à cette époque-là, c'était oh boy, parce que j'ai pas trouvé autre chose d'intelligent à lui dire. Donc ouais, on a fait exploser plus ou moins le mainnet de Starkware. Donc voilà, on est resté sur le testnet depuis et nos chiffres sont assez élevés. On est à peu près, je crois, pas loin de 120 000 NFT créés avec Brick. C'est-à-dire que 120 000 personnes sont allées sur l'interface, ont récupéré des briques et ont empilé quelque chose. Donc ça peut être une maison, leur nom, des gens dessinés de CryptoPunk par exemple. AGM. Un GM, beaucoup beaucoup de GM, Hein? énormément de GM. On a des gens qui sont aussi très créatifs et qui ont par exemple décidé de faire leur propre collection de NFT. Donc on a un builder très talentueux dans la communauté qui s'appelle Ducks Everywhere. Ouais, attends, je vais Et vous le montrer. Il est génial ce mec. c'est incroyable. Et au début, en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait commencé. Et je vais sur Aspect pour voir un peu les. C'est Ducks avec un S. Ah, pardon. Et je vois que y a beaucoup de canards. Et en fait, il y a Ouais. vraiment beaucoup, beaucoup, En fait, beaucoup de c'est un canards. mec qui tous les jours fait un canard en briques. Je Voilà, c'est aussi simple que ça et je trouve l'idée simplement géniale. D'ailleurs, il est sur Twitter, je le suis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était justement un petit canard en forme de cœur. Attendez, je vais voir si je le retrouve. Et c'est super sympa l'idée. Après, il faut avoir le trouve que temps. c'est Ducks Everywhere aussi. Et ouais, il est vraiment trop fort. Et donc là, oui, on a commencé à se dire, on avait vraiment construit Brick pour à la fois être quelque chose de très innovant, mais aussi quelque chose de très accessible. On voulait vraiment que n'importe qui puisse utiliser le système et puisse créer quelque chose, et pas à se creuser la tête sur ah, où est-ce que je suis, etc., etc. Donc Brick, c'était vraiment ça. Donc on avait créé l'interface au début pour que ce soit très facile à utiliser. C'est-à-dire, on débarque sur Brick, commence à cliquer partout, et bah tiens, tu peux. Ah oui, le Duck J'aime French, la baguette, je l'ai vu direct. il a tué. Ok, pardon. Est-ce que tu veux que j'aille où, Solness? Tu peux aller sur Create, en haut à droite? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouh, qu'est-ce que Ah c'est que bah. ça? Oh, flûte! Oh, Flûte alors. désolé. C'est Incroyable. le Gotchi Movember. Voilà, je l'ai pas Oh encore mint. Voilà. Bon, mon enfin. Dieu, en avant-première. Ouais, je pensais pas que ça Incroyable. allait ouvrir le dernier truc que j'avais fait. Bon, bah, il est fini du coup. Bah écoutez, Elle on est glorieuse. pourrait. Bon, je peux pas le mint, hein, faudrait que je le mint sur l'ancien. En fait, j'ai essayé de faire des modèles qui soient assez bas. Mais vas-y, du coup, continue, Solness. Donc voilà, pour répondre après une petite digression à la question de un peu la philosophie de l'interface. Au début de l'interface, on a voulu la construire la plus vite possible pour que les gens puissent vraiment l'utiliser. Et voilà, là maintenant notre objectif c'est de lui mettre un petit coup de polish pour qu'elle soit facilement utilisable. Donc tu as probablement vu quelques petites évolutions. Maintenant la taille du canevas bouge immédiatement. On a rajouté pas mal de petits polish au niveau graphique. On a rajouté des raccourcis au clavier pour que vraiment ce soit ultra facile à utiliser. Sur les briques, là, je vois qu'en haut, t'as un stock de briques, moulage, si je me rappelle Ouais. bien. Mais Les là, ouais. briques, il faut les. Ça se passe comment? Il faut les. Chaque brique est un NFT, hein, c'est bien ça? Briques en elles-mêmes, c'est un peu comme Ah. des briques de Lego en fait. T'en as de différentes sortes.
Ouais. Voilà. Deux briques 2 par 4, bah, elles sont identiques, mais c'est différent d'une brique, par exemple, 1 par 2. Et les briques fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'elles ont une logique de matériaux. Aujourd'hui, toutes les briques se ressemblent, concrètement, elles ont toutes le même matériau. Donc là, toutes celles que tu vois à l'écran, c'est des briques de matériaux Genesis. Donc ça ressemble vraiment à un cube. Et tu les comment tu fais pour les obtenir, ces briques? Il C'est faut sudoyer Solness. Exactement. Ah. Voilà. Donc, la technique sur le testnet, c'était de queener sur le Discord. Sur D'accord. Mainnet, ça ne marchera pas exactement de la même façon. Ce sera vraiment comme des Lego. C'est-à-dire que pour obtenir des Lego, il faut acheter une boîte de Lego. Ce sera pareil pour les briques. Ok, intéressant le modèle, j'aime bien. Pour avoir un peu plus une idée, tu peux revenir sur la première page, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Yes. Voilà, c'est en fait ça. Vous avez la petite boîte de Lego. En fait, vous allez C'est acheter la parfait. boîte de Lego. Ensuite, vous pouvez unbox la boîte de Lego, ce qui va vous donner exactement le nombre de briques pour créer bah, le modèle que vous avez là. Et après, vous pouvez build le modèle là et le minter. Exactement. Voilà. Et le Après, vous endgame, c'est prévoyez. pouvoir jouer avec ce NFT que vous avez construit. Mais après, comme ça peut être désassemblé, vous pouvez décider. Alors là, c'est à votre choix. Vous pouvez décider de désassembler et de créer un autre truc complètement différent. Exactement. Voilà. Exactement. C'est vraiment l'objectif. C'était, vous avez des blocs de construction pour créer ce que vous voulez. Donc vous n'êtes pas du tout coincé. Si vous avez décidé de construire une maison pour jouer dans quelque chose ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas du tout coincé. Vous avez toujours vos briques à la fin. Donc ça va donner des mécaniques qui sont très amusantes. Par exemple, vous n'avez pas assez de briques, vous allez acheter un modèle sur une plateforme de NFT qui est un peu moche, et vous allez dire, OK, bah, je vais récupérer les briques. Je vais construire quelque chose de plus sympa et je vais pouvoir le mettre dans mon salon. Ça va être un peu plus cool. Vous avez Ouais, toujours accès à vos briques. évidemment. Donc, non seulement ce que vous créez, mais vous le possédez jusqu'à ces particules. Il va y avoir du coup le coût de l'asset coûtera toujours plus que le coût des briques en elles-mêmes, théoriquement. Exactement, Ouais. théoriquement. Parce qu'il y aura toujours un petit peu de travail dedans. Après, moi, je ne suis pas le builder de briques le plus talentueux. Donc, je suis à peu près sûr que je fais perdre de la valeur aux briques quand je les assemble. Elles sont moins belles que quand elles sortent de la boîte, c'est ça? Exactement ça. Elles sont Et déformées, elles sont arrondies. c'est ça. C'est Dans ça. les boîtes, vous prévoyez des trucs un peu en mode mystère, du style bah, ça, c'est une boîte avec minimum tant de briques, mais tu pourrais avoir des processus un peu de dire t'as peut-être été chanceux, t'as eu une boîte avec plus de briques ou des briques un peu particulières. Quelque chose qui est prévu, ça, ou vraiment ce sera t'achètes une boîte de 100 briques et voilà, tu sais ce qu'il y a dedans. Pas mal posé la question et on voulait vraiment faire un truc un petit peu différent. On n'a pas du tout envie de faire juste un projet de NFT. Je ne considère pas vraiment Brick comme un projet de NFT. Je considère vraiment que c'est un protocole pour construire des objets sur la blockchain. Ouais. Donc, plutôt envie pour le moment de ressembler plus à un jeu de construction. Et un jeu de construction, bah, tu sais ce que tu achètes, tu sais ce que tu as dans ta OK. boîte. Et le gros avantage du système, c'est que c'est le système qu'on met en place pour les briques. C'est qu'une des utilisations du système. Ce qu'on permet, c'est en fait à n'importe quel jeu de construire des assets en briques. Donc par exemple, à terme, que on ait des boîtes de briques pour permettre de construire des assets qui permettent de jouer à tel jeu. Et le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, bah, c'est exactement comme des Lego. L'avantage des Lego, c'est que si tu achètes une nouvelle boîte de Lego, tu peux les utiliser avec tous les Lego que tu avais déjà. C'est le même objectif pour briques. C'est comme ça qu'on résout le problème de l'interopérabilité. Ah, c'est super. C'est génial. En fait, là, pour le moment, c'est le proof of concept de l'utilisation des briques pour la création. Et donc, je ne sais pas ce que vous nous avez prévu pour la suite de la présentation, mais du coup, l'objectif final, c'est de créer un système totalement interopérable. C'est quand même, moi, je trouve que c'est très, enfin, c'est super cool. Ça a l'air vraiment prometteur, tout ça. Exactement. Voilà, si tu veux scroller un petit peu plus bas sur l'écran. Ouais, bien sûr. Ouais, donc voilà. On sera de retour sur le mainnet dans les 2 prochaines semaines pour Oula. notre première vente de briques. Voilà, c'est le premier endroit où je l'annonce officiellement. Et donc voilà, ça arrive très fort. Alpha. Exactement. Oh, ça c'est top ça. 2 semaines. Ah, attends, faut que je prenne des vacances. Donc fin novembre. Nickel. Exactement.
Et Voilà, bah, on va génial. cliquer là-dessus et voilà, vous aurez une idée de notre première collection sur briques, qui s'appelle Starknet Planet. Et voilà, vous avez des petites images qui traînent un petit peu à gauche, à droite. C'était certaines d'entre elles, c'était la photo de bannière justement de ce live. Donc on ne veut pas trop en révéler. On veut vraiment que vous vous sentiez un petit peu comme des mômes qui récupéraient votre première boîte de Lego sous le sapin. C'est un peu l'objectif. Super stylé. T'as prévenu du coup Starknet que... Ouais, on les a bien appelés. On les a bien appelés. On a fait un live, on a fait un call avec tout le monde. Ils ont fait OK, vraiment, vous nous rappelez bien au moins 72 heures avant qu'on augmente la taille des machines. Je pense qu'ils sont à peu près, ils sont prêts à ce qu'on arrive. Ok, ouais, cool. Ah, ça va faire du bien un peu de. Parce que ça, c'est le genre de projet où... Bah déjà, bon, comme tu dis, Solness, t'as pas besoin d'être artiste. Et je pense que n'importe qui peut s'amuser vraiment correctement en faisant ça. Et en même temps, c'est de la blockchain. Donc, c'est vraiment une des choses qui manque beaucoup dans beaucoup de projets blockchain. Qui se dit, on va dire, jeu vidéo, entre guillemets. Où c'est vrai que là, t'as vraiment du fun, en fait, à construire ton truc derrière, quoi. Je trouve ça génial. Que c'est plus on va dire focalisé sur d'abord on va dire le fun en premier avant d'être focalisé sur l'autre partie qui Moula. sur la moula, voilà. Alors que parfois du coup c'est tellement focalisé sur la moula que derrière bah, il n'y a pas de jeu quoi, il n'y a pas de fun Exact. et du coup Exactement. c'est pas top quoi, voilà. C'est parfois un petit peu compliqué quand on parle avec d'autres personnes dans l'écosystème parce qu'ils nous font OK, donc les briques, je vais pouvoir les staker, puis après je vais avoir je vais avoir un loan, je vais avoir des V tokenomics sur les briques et je les regarde et je fais ah non, pas du tout, hein. Nous on a des briques et du Nous, on coup on fait fait des des trucs avec. Lego. Allez, laisse tout tranquille. On revient en enfance et on est très bien. C'est exactement ça. Voilà. Adi dit que c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est en fait c'est ça qui est cool. C'est le genre de projet blockchain que tu peux mettre tes enfants devant l'ordinateur, bon pas trop jeunes quand même, et qui peuvent s'amuser, tu vois. Exactement. Tant que tu leur donnes pas tes 24 mots, ils peuvent s'amuser. Voilà. Et N'importe là, qui t'as peut pas jouer de Lego, manuel c'est de ça. montage. Alors, bon, je laisse répondre du coup, mais. C'est quoi la question? Un modèle de montage. Ah, exactement. Eh bien, en fait, ça fait partie de l'expérience des boîtes. On Ah, s'est pas c'est mal beau posé ça. la question. Au début, vraiment, ce qu'on voulait faire de manière très bête, c'était, en fait, on va filer des briques aux gens. Débrouille-toi. On s'est arrêté, on s'est dit, en fait, c'est un peu bête. Hein. Si on file des trucs aux gens, les gens n'ont pas beaucoup d'idées, il faut qu'on donne un peu une inspiration. Donc, on s'est dit, OK, il y a quoi dans une boîte de Lego? Dans une boîte de Lego, tu as des briques de Lego et tu as des instructions. Ouais. Donc, à l'intérieur d'une boîte de briques, tu as les mêmes choses. Tu as une certaine quantité de briques et tu as également un booklet. C'est-à-dire un livre d'instructions sous la forme d'un NFT. Si tu suis exactement les instructions, on vérifie sur la blockchain que tu as construit exactement la bonne forme et on te permet de minter un NFT officiel. Et à ce moment-là, on transfère les briques et le booklet dans ton NFT. Si tu désassembles ton NFT, tu récupères tes briques, booklet. Donc le booklet agit un petit peu comme un sceau d'authenticité. Tu vois, si toi et un pote, par exemple, vous essayez de construire le même vaisseau Lego, ben celui qui a le vrai, c'est celui qui avait la boîte et les instructions au départ. Nous, c'est pareil. C'est cool, ça ouvre d'énormes possibilités là, ce que tu viens de dire. C'est Oui. Ouais, c'est exactement. simplement génial. Et ça, c'est juste une des applications qu'on a. C'est-à-dire que là, c'est une création stricte. Mais après, rien ne nous empêche de faire, de dire en fait, tu peux suivre les instructions, mais à cet endroit-là, tu peux dire ce que tu veux. Ce sera quand même un NFT officiel de la même famille, de la même catégorie. Parce qu'on est capable de calculer tout ça et de vérifier ça sur la blockchain à moindre coût grâce à Starknet. Ouais, tu pourras avoir une partie de l'asset qui est identique pour toute la collection et une partie totalement libre. Ah ouais, c'est... Exactement. Tu vois, on pourrait vendre par exemple des cadres et tous les cadres, tu vises l'instruction, il faut que ça ait la même forme. Et par contre, au milieu, tu dessines ce que tu veux. Et tous ces NFT seront identifiés sur la blockchain comme étant appartenant à la catégorie des cadres. Je crois que vous réalisez pas les gens, mais c'est tellement ouf. Ça commence à s'exciter un peu dans le chat. On a quelques questions. Du coup, C'est il y a ouais. quelqu'un qui demande c'est quoi le prix moyen d'une boîte? Là, on reste sur des ordres d'idées d'une grosse boîte de Lego, à l'heure actuelle. Donc On est accès, sur quand trois même accès chiffres. accessible. On va pas partir sur deux choke chains uber compliqués avec triple recolorisation et tout. Non, ce sera
La plupart, ce sera du fixed price. Certains modèles très uniques seront en auction, mais enfin, ce sera vraiment uniquement les modèles uniques et vraiment ceux sur lesquels il faut vraiment se lever pour arriver à les construire. Et les autres, non, ce sera du Un fixed truc qui price. pourrait être aussi un truc qui pourrait être sympa, Solness, que j'ai pas pensé, et qui pourrait être sympa pour vous pour récompenser la commu pour les gens qui sont tryharders, bah, comme moi par exemple. Par exemple, à partir du moment où tu ouvres la boîte, calculer en combien de temps tu arrives à construire le modèle et Ah, c'est récompenser ceux génial. qui construisent le plus vite. Ça, c'est génial. C'est quelque chose auquel on a pensé, parce que Lancelot et moi, maintenant, on arrive à construire des trucs. Donc, on s'est dit qu'on devrait vraiment mettre un leaderboard de des gens qui arrivent à construire leur truc le plus vite. Ou en fait, à la fin, on te dit, ah voilà, félicitations, tu as réussi à construire ton modèle, tu l'as construit que en 4 jours. Et on te permet de on te permet de le tweeter. T'es sur cette durée-là, ça veut dire que du coup ça va être il y a des boîtes complexes à... Vous avez dans vos templates des trucs complexes à construire, je C'était suppose. une blague. On n'est pas Ok. au-dessus de 15-20 minutes là. On a Ok, d'accord. bien calculé nos coûts. Les modèles les plus complexes pendant peut-être une demi-heure, une heure au total. Comme une grosse D'accord. boîte de Lego. Ok. Mais les autres, non. Yeah, tu... Ouais, bon, ok. Non, mais c'est cool. On a une autre question du coup. Sur les modèles, il y a des gens qui demandent si vous savez déjà ce à quoi ça ressemble, mais il y a des gens qui disent des vaisseaux Star Wars, des animaux, d'autres trucs. Donc là, du coup, Starknet Planet, c'est ça le thème que tu as annoncé, du coup, c'est plutôt dans ce domaine, univers, ce genre de truc. Exactement. C'est A Ok. Few Bricks for a Man, A Giant Leap for NFTs. Je n'en donnerai pas On plus. peut rien dire, d'accord, De toute ça façon, il va y vaut avoir déjà une petite comme un démo qui va indice. avoir. Avec la petite démo, vous allez avoir Ah. un petit. Un Une petit petite. Voilà. exactement, ouais. De quoi Ok. vous faire grandir les yeux, vous mettre des étincelles dans les yeux, les amis. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit j'ai jamais acheté de Lego, mais je veux bien acheter des briques. Bon, bah, je crois que c'est mission réussie alors. Voilà. Tu as compris. Moulaille son cerveau pour faire plus de moulins. Ah bah oui, écoute, si un pays, on se refait pas. Hein. On cherche des Exactement. idées. Super. Bah écoute, et si Et. vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer hein, sur le Twitch. Vas-y Gauthier, désolé. Je t'ai coupé. Non, mais moi je voulais juste te dire que du coup, c'est vrai qu'avec l'environnement que vous êtes en train de créer, il y a tellement de possibilités. Tu peux faire des événements spécifiques, tu peux faire des comment dire, Ah, tu peux faire des des compétitions, conventions, des tu peux compétitions de faire briques. des. Ouais, tu peux faire des contests artistiques, enfin, tu peux faire plein de trucs en fait. Exactement. Tu C'est très peux. drôle en fait que on a ah oui, ça j'ai oublié d'en parler. En fait, on a construit des vraies briques avec marqué briques dessus. Et t'en C'est-à-dire as qu'on pas une derrière avait toi du coup? non, j'en ai en fait, il ne nous reste plus qu'une Je vais que vous montrer. Hop. on s'est fait voler notre brique lors d'une conférence. On est d'ailleurs toujours à la recherche d'une de nos briques. Oh là là. Voilà, dernière fois que la brique a été vue, elle est là. Bah, c'est ça la Ah oui, brique, hein. c'était vraiment terrible. C'est fait voler notre brique. Donc voilà, ça c'est la dernière brique qui reste. Donc c'est une vraie brique, hein, fait vraiment 2 kilos. C'est une vraie, vraie brique. Donc je vous raconte pas comment c'était compliqué de l'amener à Lisbonne et de la faire passer dans l'avion. Ça a Ah été un ouais, gros moment. j'ai suivi les stories, c'était super marrant. Les mecs, Ouais, quoi, donc vous ça avez une c'est brique? un gros Qu'est-ce que vous allez plaisir. faire avec ça, monsieur? Pour Kira68 dans le chat, ouais, effectivement, l'airdrop est un peu compliqué avec les briques. Il faut qu'on fasse un tout petit peu attention si on fait ça. Ouais. T'inquiète, Donc là, oui, bientôt. on a eu un compte fan de briques qui a été créé qui s'appelle The Fucking Brick. Et c'était concrètement des gens à Lisbonne qui nous volaient la brique et qui l'emmenaient partout dans Lisbonne. Ah, c'est marrant ça. Je m'attends à ce que je me fasse voler la brique dans un avenir plutôt proche et qu'elle finisse comme le nain de jardin dans Amélie Poulain et que je la retrouve devant le Taj Mahal ou l'Empire State. C'est un truc qui est un petit peu parti en hors de Voilà, contrôle. une récompense pour celui qui trouve la brique. Allez à Lisbonne, en Inde. ça se pourrait parce que justement les prochaines conventions Starknet c'était en Inde, non? Tu m'as dit, Solness? Exactement, oui. Le Ah. prochain événement Starknet, c'est IF India à la fin novembre. Donc non, malheureusement, nous n'y serons pas parce qu'il faut qu'on ship, faut qu'on finisse brique, donc Ah, bien sûr. on pourra pas y aller. Bah nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut peut-être passer à la démo. Y a quelqu'un qui dit, qui demande les jeux partenaires pour l'utilisation des assets construits en briques. Bon, t'as pas cité de nom, c'est volontaire, ou parce que bon, on en connaît tous, hein, maintenant des jeux qui commencent à ressembler à ce design-là.
C'est volontaire le fait que tu aies pas cité de nom. Vous avez déjà peut-être des touches avec des personnes, mais c'est pas encore révélé, c'est ça? Très transparent, c'est des choses qui sont encore en construction pour nous. Donc voilà, on a notre objectif par la suite, c'est de pouvoir réutiliser tes briques où tu veux. Donc c'est des discussions avec des métavers, avec Sandbox, OnCyber, etc., etc. Donc pas uniquement des métavers directement, mais aussi des jeux à proprement parler. Donc par exemple, ça c'est un truc que je peux révéler par exemple, sur Realms, qui est un jeu de stratégie sur Starknet, on veut permettre aux gens en fait de faire des parties du jeu avec des briques. Ça c'est quelque chose avec lequel on travaille déjà avec l'équipe de Realms. Ça j'ai D'ailleurs, vraiment hâte que ça sorte. ça j'ai pas pu m'y mettre, mais attendez, ils ont plus de collection en Realm? Retourne sur Brick, tu vas pouvoir le trouver là. Parce que vous allez voir Tu les designs qu'ils font, c'est vas ouf. voir. Vas-y, clique sur Brick. Tu vas voir. Ok, je suis sur la collection Brick. Ouais, maintenant clique sur Filter Traits. Ouais. Et maintenant fais Ah, Realm, Yes. ok. Ah, vous allez voir, ça c'est des. Attends, Ouais. regardez-moi ça, je veux dire. Ça, Hop, c'est et on. vraiment. Ça, c'est un niveau vraiment. Voilà, j'ai. C'est des genres de terrains là comme ça qui sont juste Ça, magnifiques c'était quoi. la première compétition de. En gros, on a appelé l'équipe de Rails, on a fait, ah écoutez, c'est vachement sympa, ça vous dit de faire une compétition de construction. Regardez-moi ça, Et donc c'est. les gens ont commencé à construire du jeu, ça s'appelle des Wonders, ce sont des éléments du jeu un peu mythiques, qui n'avaient pas de représentation. Donc on s'est dit, écoutez, vous savez quoi, on va donner des briques aux gens pour qu'ils puissent essayer de les construire. Il y a des gens, ils sont C'est quoi malades. ce jeu, Realm? C'est un jeu de stratégie, t'as des. Je connais pas du tout. C'est partie de l'écosystème de Loot. Donc là, le projet de NFT qui a eu beaucoup on va dire, de projets qui sont sortis de cet écosystème-ci. Et Realms est à mes yeux vraiment l'un des projets. Il faut que ça change un petit peu l'image parfois, un peu de temps. C'est l'un des projets vraiment les plus aboutis de tout cet écosystème-ci. Leur objectif, c'est vraiment d'avoir un jeu complètement persistant, complètement on-chain, qui s'arrête jamais. C'est extrêmement technique, extrêmement impressionnant. C'est vraiment une équipe que j'adore. En full anon, ils sont tous complètement fous. Et c'est Quand vraiment un plaisir de quand bosser tu avec vois ce les genre. trucs qu'ils construisent, moi je suis Je vois le des Gothis en 1D, ils font des cités entières, Altar of the Void, what the fuck quoi. C'est le machin, il charge même pas sur Aspect tellement il est big. Regardez-moi ça, le niveau de détail quoi. Non mais je veux dire, c'est les jeux. Donc ça, c'est des gens de la team Realm qui ont construit des choses en briques pour les intégrer dans le jeu, c'est ça? Ou c'est aussi des gens de l'écosystème, des joueurs qui sont partis en mode D'artistes qui ont participé à ça, des artistes, d'accord. à cette compétition. Vas-y, si tu reviens derrière, je vais pouvoir te montrer celui que j'ai lamentablement créé en live. Il est tout en bas, je crois. Il est absolument pathétique. Vous n'allez pas pouvoir le rater. Encore un petit coup, je crois que. Ah, je sens la honte monter, je sens qu'on n'est pas loin là. Vas-y, Je attends, l'ai remonte un vu. peu. Ouais, je Celui-là. crois qu'il est. Non, il est encore un peu au-dessus. Ok. Encore un coup. Encore un coup, attends, je crois que je l'ai vu passer. Oh merde, t'as eu vraiment tout le monde? Vas-y. Flûte. Et non, oh, flûte, je l'ai raté. Ah, il ressemble à une grange, il est immense. J'ai essayé de faire une espèce de grange. Il est ignoble. Ah non, flûte, je l'ai peut-être perdu en fait. J'ai peut-être désassemblé pour récupérer des briques. Ah bah je crois que c'est celui de droite là, l'horloge. Quelle horloge? Bah celui-là, Normal, c'est le mien. Sanctuary Ouais, of ça va. Oracle. Voilà, c'était pas si nul que ça. Oh, ça va. Non, j'étais un peu mauvaise langue. Puis là, je me rappelle l'avoir fait. Bon, cette petite horloge, c'est sympa. Moi, j'ai fait À un 9h dino. ou 3h? Ah, c'est bon. Ah si, bah C'est 3h. je vous l'avais montré. Non, attendez. Ah bah oui, pardon, il était génial. D'ailleurs, merci encore, hein, ça m'a permis de bien regarder comment tu as utilisé l'interface. On a encore amélioré des trucs depuis. Moi si j'ai fait sur C'était YouTube. vraiment bon. Moi j'ai Très galéré, hein. impressionnant. J'ai pris un bon 4-5 heures hein, pour faire ça. Mais franchement, c'est le genre de truc, Là, c'est tu t'éclates quoi à le faire, tu vois, c'est. on a rajouté une fonctionnalité qui va peut-être t'aider, c'est que tu peux mettre des briques en diagonale, comme dans Minecraft. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est un truc qui manquait. Pour Dans faire des les. formes arrondies. Non, pas encore. Ça, on l'ajoutera un peu plus tard. D'accord.
C'est stylé. Bah, passons à la démo. Hein. Toute possibilité. Voilà, moi, yes. Je fais des Gauchis aussi. Voilà. Comme vous avez... Comme vous avez pu voir. Ça, c'est normal, on se refait pas, ça. C'est... Exactement. Comment c'est bon pour la démo. Ok, alors du coup, partage ton écran et je vais partager l'écran de. Bah, l'écran que tu partages de Discord. Absolument. Hop. Alors, est-ce que c'est le call est enregistré? Oui, bon, on est sur Twitch, donc c'est enregistré. Yes, ok. Pour être bien sûr de ce que je montre et ce que je ne montre pas. Alors. Après, on peut désactiver le replay si tu veux montrer non, les trucs exclusivement bon. Ce soir. Mais bon, voilà. Je pense que dans l'idée, c'est bien que tout le monde puisse venir voir ce que c'est Brick, quoi. Non, c'est bon, je vais m'en sortir. Hop. Alors, attendez. Alors, laisse-moi deux petites minutes le temps que je mette ce setup. Là, on est la sacrée Dinovox d'Halloween, là, hein, c'est franchement. On est sur le triple pontage cardiaque, là. Merci. Twitch, Attendez, hop. On tire profit à 100% de ce qui est mis à notre disposition. On est tellement Web 2. Alors, est-ce que vous vrai, voyez non, Chris, je pense Chris, que vous voyez. Maintenant, Moula, il est à fond dans le Web 3. Il est sur Leinster et c'est quoi l'autre Cavari Cavarian Ouais, Leinstube et Cavarian. Bah, disons que la vérité, c'est que créateur de contenu, c'est très compliqué comme d'être reconnu, tout ça. Donc, bah, il faut taffer, quoi. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, soit t'arrives. Soit. Je sais même pas comment ça marche, mais soit t'as un coup de bol et puis. T'arrives à trouver vraiment une niche et puis tout le monde vient te voir, soit t'es comme moi et tu galères quoi. Et puis ça va aller petit à petit, et puis peut-être qu'après un jour ça explosera, on verra bien. Bon, enfin bref, j'espère que vous voyez l'écran, normalement c'est bon, parce que moi je le vois. Ouais, sur Twitch, bon, ça marche. Ouais, c'est bon, on le voit bien sur Twitch. Ok, ouais. Nickel. Ouais, c'est de vous montrer exactement comment le fameux système de construction marche avec les lignes d'instruction. Donc voilà, une fois que vous avez votre boîte, vous l'avez ouverte, vous obtenez un manuel d'instruction dans cette forme-ci, et on va voir comment ça fonctionne pour le construire. Hop. Alors, sachant que là, vous avez... Sachant que là, il reste des trucs que Solness a pas montré, mais je pense que c'est fait exprès, que tout le processus pour ouvrir la boîte, l'unbox, tout ça, c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire... Ouais, j'avais pas envie de me spoiler, justement, c'est pour ça voilà, que... Mais vous verrez, parce que c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire, c'est génial. Bon, je vous verrai. Voilà. Vas-y, ouais, Solness, désolé. Je t'en prie. Donc voilà, vous débarquez sur l'interface, et à partir de là... Très simple, faut juste suivre les instructions. Si vous suivez les instructions, les petits confettis deviennent verts et vous pouvez prendre les suivants. Donc, vous pouvez voir exactement la forme qu'il y a à construire. Là, par exemple, vous voyez que c'est un cube gris, vous pouvez cliquer dessus pour choisir le cube à construire et hop, vous en posez un, vous en posez deux. Si vous en posez un de la mauvaise couleur, par exemple, ou pas au bon endroit, hop, on va vous montrer que alors, en fait, c'est pas bon, fallait pas faire ça. Donc, là, on peut juste revenir en arrière, reprendre la bonne couleur et continuer. C'est génial. On y va. On est lancé. C'est parti. T'as eu la tempête en diagonale. Comme ce fameux sportif, Stéphane Diagonal. Ah, y a quelqu'un qui demandait si on pouvait... si on peut monter la caméra. Oui, on peut tout faire. Hein. Absolument, ouais. Donc on peut bouger par là, on peut bouger par ici. On a pas mal de petits... La gestion de caméra est pas trop mal fichue, on peut changer le field of view, etc., etc. Je vais juste revenir au default, sinon je vais avoir la nausée. Donc là, j'ai pas posé au bon endroit, j'ai fait n'importe quoi. Donc ouais, il fallait mettre... faut recréer un niveau au-dessus. Exactement. Hop. Ah, je savais pas que tu pouvais les poser directement en diagonale. Ah bah, c'est justement ce qu'on vient de rajouter. Ah, ok, parce que, parce que moi, chaque fois, je mettais un bloc avant, quoi, comme... Exactement, ça c'est les vrais OG ont l'habitude, tu poses un bloc, t'en mets un autre. Ouais, comme vous voyez, vous pouvez mettre des lignes directement. Et là, c'est ça aussi le truc qui est sympa, c'est que vous voyez là les briques qui sont transparentes, en fait, c'est que vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Exactement. Là par exemple, any color you like, vous savez quoi, on va en choisir une sympa. Allez, on prend quoi? Allez. Un petit violet. Violet avec Gucci, là. Un petit violet avec Gucci, ouais. Ouh, il s'y pique les yeux celui-là. Ouh là là. C'est bon, c'est tout ce qu'on aime. Hop. Attends, il te manque un bout. Ouais, bon, c'est bon, tu. Et hop. Tu l'as passé direct. Et bam. Et voilà. Ta-da. Et les confettis, bien entendu. Dans tous les sens. Aux couleurs exactement de ce qu'on a construit en plus, pour ceux qui ont l'œil. Et donc là, c'est très simple. Hein, il suffit de le minter. Ça part sur Starknet. Et... Top l'assistant de construction. Ta-da. Et voilà. Et la démo,
Je vais pas vous en montrer plus. Là, je crois que j'ai plus de girly, donc la transaction va plus marcher. Et voilà. Tada! Voilà, c'est bon. Bah, j'ai enlevé de toute façon. Et Donc bah ça, nickel. ce qu'on voyait défiler à droite, ce sera le type de manuel qu'on aura dans notre boîte, c'est ça, hein? Pourrait aussi en version PDF, si vous vous amusez à D'accord. l'imprimer. Ah non, mais c'est cool, trop bien. Est-ce que par exemple, pour tes enfants, tu pourrais l'imprimer? Puis comme ça, il pourrait suivre bah, les pages une par une. Bon, je sais pas, peut-être que ce serait mieux pour lui, j'en sais rien. Peut-être qu'après, il achèterait des Lego pour le faire aussi. Tu peux après acheter des Lego et puis tu peux créer les modèles de briques. C'est Exactement. génial. T'achètes des. Je veux Exactement. dire. La question de Naon, c'est est-ce qu'on peut en poser plusieurs à la suite en ligne? Absolument. Il y a plein de petits. Tu fais shift et tu bouges ta souris pour Ah, poser tu peux vraiment. de façon rectangulaire. Tu Tu peux en peux poser tout ce que tu faire, tu veux. peux changer les couleurs de tout un truc en même temps, tu peux, ouais, je veux dire, c'est vraiment super modélable. Moi, je peux vous montrer vite fait, mais là, avec Shift, je peux créer soit des lignes, soit des gros carrés, je peux faire ce que je veux, et par exemple, là, je pourrais redessiner une partie, donc soit là, je sélectionne comme ça, soit je peux sélectionner comme ça, soit je sélectionne ma ligne comme ça, ou alors je peux même, si je reviens en mode construction, voilà, imaginons que je fais un truc comme ça, hop. Je peux vraiment tout faire hein, au niveau de ce que je gère. Là, par exemple, je peux décider de seulement colorier ce qu'il y a au milieu. Tu vois? Comme ça. Voilà. Bon, Exactement. c'est vraiment. Bon, là, et pour supprimer, bon, bah, hop, là, je peux supprimer juste la partie d'au-dessus, ou alors supprimer juste une partie, ou supprimer directement tout. Voilà, je Exactement. peux faire un peu. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ah, c'est rigolo. C'est. Hop, voilà. J'ai hâte de Bon, voir bah la super. solution avec Gucci, en fait avec des briques. Ouais. Bah là, c'est pour ça, c'est ce que moi j'essayais de faire, justement, faire un peu comme Duck Everywhere. Faire des. Pas des Avegotchi. De Avegotchi, mais faire des Avegotchi thématiques. C'est pour ça que là, j'avais fait Movember Gotchi. Alors, je sais pas si vous connaissez le délire par rapport à Movember. Mais en fait, Movember, c'est un mouvement où en novembre, tu traces pas la moustache. Bon, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un délire. Voilà. Et en gros, bah, il y a un mouvement qui fait ça, qui est juste en novembre. Et bah voilà, bah, j'avais créé un gauchi comme ça, et j'essayais de trouver un truc qui soit plus ou moins petit, parce que sinon, pour construire, bah, c'est chiant. Bah, là, je suis dans les 275, je pense que je tiens un bon truc. C'est pour ça, avec la moustache, les lunettes et le petit chapeau. Et après, faire un espèce de dynamique comme ça avec les gauchis. Voilà, je sais pas encore si je vais le faire ou pas, mais voilà, ça c'était en gros l'idée, quoi. Voilà. Alors, question de Brolyan, les briques sont pas par couleur en fait. C'est juste un bloc et tu peux mettre la couleur que tu veux. Donc on ne te C'est ça. contraint pas sur la couleur pour tes briques. D'ailleurs, tu La peux limite de taille à choisir l'heure la actuelle, couleur. c'est. Oh, excuse-moi, juste pour répondre à la question de Mister Sem, la limite de taille aujourd'hui, c'est à quel point ton ordinateur peut survivre. Donc je crois que le max qu'on ait réussi à faire, c'est 350 000 briques et après, il n'y a plus rien qui passait. Un modèle à Pas mal déjà. 350 000 briques. Par exemple, pour donner une idée, alors je sais pas, mon dino, je vais regarder sur Allbrick. Attendez, faut que je connecte. Ah, j'ai plus. Ah, c'est plus sur Allbrick mes assets, du coup. Ah, c'est dommage. Il doit être sur Aspect, non? Ah, mais je l'ai là. Voilà. Par exemple, le dino, c'est 10 000 briques. 10 500 briques. Voilà, pour vous donner une idée un peu du. Mais bon, parce qu'il y a la profondeur, il y a pas mal de détails, etc. etc. Voilà les amis, bah, je vais faire le raid sur The Diggers Live, comme d'hab. Je sais pas s'ils sont là. Ça leur fera Ils sont plaisir. là, ils sont là. Ouais. Et puis voilà, bah, merci à tous les amis. Bye bye, merci à tous, merci Moula, et puis et ben, bonne soirée. Et bah Très bonne vite. soirée, merci à tous les gars. Allez, ciao ciao! Ciao, ciao.